Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Encore une fois, c'est avec un gros cœur content que nous rentrons la caillou pour nous venir porter pour vous une autre émission Chilling with Regina. Et nous, à côté mieux, ça veut dire que moi bien parce que moi ensemble avec the one and only chef Ray. Chef Ray, bonsoir. Moi dans cuisine là. Comme d'habitude. Lady G, bonsoir. Welcome back to my kitchen. Comme d'habitude, on toujours passer là, on vient checker ça qu'a fait pour assurer que après ça, on va bien manger. On va bien passer. Chef Ray, table en belle. Et c'est une bagaille que m'aime, l'aime vinn dans cuisine, on a grand pile variété, en pile couleur. Pour que ça toute bagaille ça là. C'est bon maïbou qu'on va le faire. Est-ce qu'on est gris là? Quand on est gris là, faut manger maïbou qu'on est. Mais maïti c'est deux bagaille me connaît. Maïbou oui, maïbou qu'on est. On va le bouillir là bien. Non, on va pas le bouillir non plus. Jodi a nous connaît que c'est été. Le c'est été grand pile maïs, melon et qui sur le marché. So jodi a moins venir faire un plat simple. Avec maïs dans zépi, même pas pour le faire dans zépi, ah non. Avez dit nous pas manger bougon, bougon maïs, ah non, le libéral là dedans. Pas manger bougon. Ou pas qu'on mange bougon lorsque on a la province Haïti. Non. Ou pas faire les longs chefs, ou mouler les pour jeter. Le douce. Bien sûr. Faut le faire sèche trou. Est-ce qu'on ça? Oh oh. Chef là bon maïs, ou gueule. Non, qu'est-ce qu'on pose? Après moule moule bon bougon ça au favel encore. Yo boucher bouteille. Yo lui met du feu avec. Yo lui met mais faut le sèche. Ou t'es qu'on a l'improvise. En tout cas chef là gagne l'autre bagaille tout sur ça mais en tout cas c'est ça on fait je dis habito. Je dis on va le fond plat qui relé macchou. Macchou. Li écrit en français mais M A Q U E chou C H O U X. Bah comme ça. Ou ta pense t'ap gen chou nan manje a? Et ça m'a regardé baoué chou a. Donc, c'est comme ça manje a relé en anglais plus prononcé le mock chou. Ok, mock chou. Yeah. Donc, c'est li m'bal fè jodi a. C'est un plat traditionnel. Haïtien? Non, Louisiana le souti. Ok. A créole de vous yeah, créole cuisine qui mélange avec indien américain. Vous comprenez? Okay. Donc, son fusion, son amalgame de culture influence une sur l'autre. Donc, c'est ça qui fait que plat ça, c'est l'im présenté aujourd'hui. Ça fait me choisir, c'est parce que c'est simple. Et je suppose qu'un pile monde, le plus souvent, le observe à maïs, si le observe avec le consa, c'est ou bien au boucanel ou bien au bouillil. Yes. Ou bien tout, ou qu'on est au fait maïs gratiné, mais le plus souvent, 99% des fois que nous fait gratiner à maïs, moi-même tout, c'est maïs en ken que qu'on utilise. Et ça, il y a eu. On serve à fraîche là tout, mais le plus souvent, c'est ken au plus. Servi. Donc, et pas ça, je les à nos bras, chef là. Oui, souffle maïs, gratte maïs, ah, crème d'accord. De maïs, les plein nord, ouais. Les gens veulent. Et ça, yo chef là, et pour les tout? Oui, ça, pas grand pile bagan là dedans. Nous prenons seul ça mette son plat que lika ou ka manger le konsa tout, ou ka lika ou ka servir avec l'autre viande tout, ou bien l'autre protéine. M'a mette bacon là dedans. Si vous voulez, oui, m'a mette fromage, m'reme fromage parmesan en pile. Donc, nous devons mettre petit touche là dedans si vous voulez. Et chef là, on continue. Un petit moment, chef, on va continuer. Pour quelle raison consistance fromage va pas être différent de ça me connait dans bocal. Ça dépend de gens, il rappelle. Pour qu'on rappelle qu'il y a plusieurs bois. Donc puis nous avons choisi ça c'est côté piment. Et on a metté piment vert, oignon, piment orange, rouge pour belle couleur et puis persil et puis l'ail. On plaque aussi simple sel, poivre. Et puis, créole seasoning comme son plat créolier. Si vous voulez, si vous voulez mettre créole seasoning là-dedans, c'est ça seulement qu'il y a là-dedans. Vegetable là avec un petit épice, avec un petit cream là-dedans. Darling Deska, Dedeska, Dedeska, I'm chilling with Regina. Spectateurs qu'on y a nous retourner. Premier ça me bral fait, me bral montrer nous comment moins dégrainer maïa. Ça me fait mettre maïa dans bol, mettre un bol en dedans parce que si mettre le plat, l'homme passer couteau, il va tomber à terre. Il va voler. Donc l'homme fait comme ça, il tombe dans bol là directement. Donc nous elle comment bonne kimbel, nous cherchons couteau qui est assez filé pour nous retirer toute graine dans bougon. Le lit dit tourner, faut me faire songer.
tout ça au fait à Bougon pour se le déblayer. Comme nous, mais comme on me dégraine, et me dégraine à gagner déjà qui fait, on va le retirer le montrer nous. Donc, c'est comme ça que je retire tout le grain de la maille. Nous allons mettre le bacon dans le panier. Faut toujours de temps en temps virer pour ne pas coller et puis pour assurer nous que ne pas brûler tout. Pendant que le bacon a pris, nous prenons la pause, nous pouvons rejoindre Lady G avec l'invité du jour. Merci, chef Ray. Je dis en chilling with Regina, prend plaisir pour lui chita avec un gros artiste. N'a pas les deux, Daniel Beaubrun dit Daddy. Daddy sorti dans une famille qui baille un pile artiste. Les petits fameux comédiens feu, Languichat Desbordus, que nous tous, monsieur connaît de qui est ma parlé. Les tout fondateur groupe Bookman Experience. C'est un brillant compositeur, écrivain parolier, producteur, ingénieur de son et musicien lui-même. Il jouait un style de musique qui mélangeait avec musique traditionnelle, vaudou, Haitian vaudou, rock, pop, blues et finalement musique racine. Il performait avec un paquet, un latrier artiste international très reconnu, tant que Peter Gabriel, Yosu Endo, Ismael Lo, Jimmy Cliff, Michael Shrives, qui c'est former drummer dans Carlos Santana Band. Li joué tout avec Mary J. Blige, sans nous pas oublier Wyclef Jean, John Steve Brunache, et j'en passe. Kounia, Daddy, c'est fondateur producteur de Daddy Sound, qui a baillé motivation à un pilote artiste pour le faire connaître, pour le faire sortir dans sa yoye de un point A pour y aller à un point B. Bonsoir, Daddy. Bonsoir, Gina. Salut tout l'équipe là. Et c'est un plaisir, un honneur que vous avez invitation ça dans Chilling with Gina. Et son fanatique, moi, les deux femmes, nous savons, toujours branché, même là, vous pas attendez, même toujours suivre. Donc, c'est un grand plaisir là pour nous partager ce moment ça ensemble. Et son plaisir pour chilling with Regina dans tout staff là, où je vois tout Daniel. Alors, qui j'en voulais me Daddy ou bien Daniel? Ah, tout le monde est Daddy, vous connaissez. Daddy, non, mon père. Daddy, vous connaissez. Non, propre, mon père. Dis-nous qui est-ce qui est Daddy? Wow, ça est une question plus difficile là. Bon. Et comment nous avons dit, façon... no escape? Malheureusement. Malheureusement. Bon, c'est un type qui est bien simple. Daddy, c'est un type qui est bien simple et qui vit la musique. Ce n'est pas même mon musicien parce que la musique tellement font partie de toute vie et dans tout domaine que un instrument que tendez que tout ça m'a fait, la musique prend part là-dedans. Donc, ça veut dire que son musicien qui a une passion pour la musique, qui a une autre de la conception de sa musique qui est dans la vie au monde parce que il y a un cadre bon aspect thérapeutique là donné dans l'état d'esprit il va obliger musique pas mais au cas dans la musique et puis qui carrément changer journée donc c'est bon bail que me prend la légère du tout dans force musique dans la vie au monde donc et garde une vraie grâce ça que mon jouer plusieurs instruments et puis facilité pour écrire musique, pour performer tout ça. Donc, c'est en un mot, c'est ça, Daddy. Daddy, vous êtes dans une famille qui est un pile artiste. Est-ce que vous avez grandi, vous avez senti obligation, pression pour te vivre artiste tout ou bien son bagage qui n'a ou même de pour petit? Ah non, au contraire, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je ne connais pas si c'est parce que. Il était censé qu'on tradition dans cas là parce que petit monde levé m'a vendre répétition théâtre m'a vendre répétition danse parce que maman sont danseuses chanteuses tout
papa m'était dans théâtre à l'époque, c'était dans danse tout national. Donc si mon après tout bas ça devant, j'ai mon oncle qui était musicien, j'ai ma tante qui chantait, j'ai mon oncle qui chantait. Donc Kaila c'était une scène toute la scène journée tout naturellement. Donc toujours grand monde qui a chanté, toujours grand répétition qui a fait, toujours gain une danse qui a fait et instrument toujours dans Kaila. Donc il pas rien qui était forcé et c'était une bagarre tout pas pas jamais forcé. Yon nan nou pou te di, ok, ou obligé fè ça, ou pas obligé fè ça. Et ça, ça te toujours dit, nous, quel que soit, ça nous décide de faire nan vie, nous, assurer nous que nous faisons faire bien. Donc, c'est ça qui m'a dit, qui mais yon nan bagay qui était assez intéressant, c'est le fait que si c'est un âge, m'a carrément comme si, qu'on est que, quel instrument c'est à fond, en parlant de guitare, comme si m'était sûr, et qu'on est que ma brûle. Et, bon histoire que on avait cinq pour m'en raconter lui il y en a un drôlement qui était fait effet ça sur moi c'était Eric le gagneur qui était dans 65 qui était dans Carrefour Eric c'était guitare ce qu'on dit là calon guitare j'ai toujours fasciné dit qu'est bah là moi je comme si que mon guitare même m'a vrai quand pour monsieur ça donc et par rapport le fait que me connait tout et l'autre parents et familles qui te conduisent leur instrument, mais c'est d'ailleurs c'est à partir de ambiance ça que devine développer affection particulière ça pour guitare et puis bon les ça c'est très facile. Mais vous dites tout à l'heure que vous jouez plusieurs instruments, bon ça c'est nouveau pour ouais. Moi personnellement Daddy. Par qui instrument vous jouez encore autre que guitare? Bon. Je crois que la majorité des gens qui ont regardé qu'on aime comme bassiste, c'est toujours Marc Fabrice là qui a dit basse. Et c'était dans la même passion de jouer guitare là que nous avons gagné deux instruments là qu'on a mis dans le monde et pour un petit moment. Bon, on est Simon, calcule Simon, on dit ah, guitare a 6 cordes, basse a 4 cordes. 4 cordes là, c'est plus facile. Moi, je vais basse là. Donc, c'est dans comme ça que au timo dans bassin au timo dans guitare donc ça veut dire que instrument là cala au premier lieu c'est de prendre essayer jouer musique que me t'aimais de avec ces musique que me t'aimais et puis jusqu'à ce que nous gagne Fofan Alexis qui était un original fondateur de mon expérience qui était une super guitariste un gars c'est mentor en mon sens parce que c'était idole moi et c'était mon. Donc, si l'aile de convient sauter sur mes capes et jouer en musique, qui était toujours encouragé, on dit, mais le point guitare, pas la baisse et jouer en tout. Donc, c'était toujours mon motivation en très jeune âge. Et c'était un homme qui marquait tout dans la discipline que je viens de développer, la carrière à faire musique. Et puis, de guitare à basse, et bon, on va parler de piano, que peut-être tout le monde est capable de ça. Et de temps, je viens de New York. Et. Nous songe nous te gain un projet m'ta travail sur lui. Pourquoi c'était film funérailles papa non? Et puis déjà m'te dit que bon pour m'écrire musique film ça m'gain quelque bas m'a besoin et puis c'était un cadeau m'te m'a fait la chanson qui bot moi. Mais avant m'te prendre justement moi et puis c'est dans comme ça que bon gain bot là m'gain guitare là m'gain basse là et puis bon et là on a phase de créativité. Non, avant on arrive dans la phase technique, on va apprendre techniquement, mais l'outil était déjà là, on était déjà comme fondamental. Et puis, sans vraiment forcer, il était juste fait tout naturellement. Daddy, si je ne me trompe pas, à grande avec apparition Bookman, au paquet Bookman font succès monstre. Nous, tout le monde vient rencontrer Daddy, monde qui pas connaît déjà vient faire et connaissance avec vous au côté de Bookman. Mais puis devant nous vient ouais que ou quitter Bookman Experience. Est-ce que d'après vous même l'autre quitter Bookman non, pas connaît pour qui raison exactement, c'était seule solution côté gain, c'était quitter. Est-ce que c'était seule solution? L'été vient fait naturellement. Je pense que à un certain moment, nous juste grandissons séparément et dans différentes directions musicalement. On sait qu'on peut voir à pousser et puis brancher au bon côté, on branche qui a nos mêmes pieds voir et puis nous chaque fait nos zones. Et moment
Je pense que le timing est bon dans le sens que il n'y a pas ton bagage qui est forcé, mon vieux faire ou bien quoi que ce soit, mon qualité juste faite tout naturellement. Et ça t'est venu permettre moi tout pour moi explorer l'autre bagage que je voulais faire. Parce que je garde depuis la création du mouvement jusqu'à département, et c'était 200% bookman. Ça veut dire que préparation album, pour pouvoir l'entourner, bon, font recul, quand c'est pour l'entourner. Imaginez, nous pouvons l'entourner de avril à septembre. Nous devons l'entourner, maintenant en septembre. De septembre, nous rentrons peut-être le groupe là en vacances. Moi, je suis en phase pour préparer des mots pour pouvoir accompagner qui me supposé en novembre pour l'album. Donc, ça veut dire qu'entre septembre, en Haïti et novembre, il faut que j'ai une dizaine de musiques en échantillon pour me présenter, me dire que le prochain album, là, peut-être avant que ce soit janvier ou février. Mais deux, trois idées dans sa cadre. Donc, ça veut dire que constamment, tu travailles sans cesse. Et une fois que le démo s'est finalé, il y a deux, trois spectacles à Haïti, boum, on a studio encore pour le prochain album. Le temps prochain album est fini, arrivé sur encore, départ. Donc, on garde, on fait 7-8 ans comme ça, sans arrêter. Et entre parenthèses, j'aime bien Tibri, que c'est là, ça me fait deux, trois autres projets, quand vous, et Tina Salvant, Steve Vina, c'est pas, m'a fait entre. Tourner parce que je n'ai pas vraiment gagné de temps. Et puis, ça t'est venu permettre, moi, il t'est venu une bonne possibilité, parce que j'ai eu un rêve, c'était vraiment toujours de trouver travail avec l'autre artiste, produire l'autre artiste, faire production, faire arrangement. Donc, dans le moment, ça, c'était pas ça qui était ouvert, moi. À l'époque, c'était l'époque, je peux dire, c'était fait qu'à finir de score. Si on a gagné de travail, on a commencé à travailler avec Wildcraft, tout, dans l'époque-là. Et puis, il y a des toiles d'artistes étrangers qui ont commencé à faire des productions avec eux. Donc, qui est venu mettre l'autre aspect, entrer dans le studio, venir faire plus de temps en termes d'ingénieur son, donc qui est venu développer un peu l'autre bagage à la canne. Mais je me dis que le moment est salté. Est-ce que fanatique d'Adi, fanatique Bookman, un jour qu'a rejoint, est-ce qu'a espéré rejoindre d'Adi sous scène avec Bookman ou bien même participer sous un album avec Bookman Experience? Bon, et tout bagaille possible. Non, la vous me dit jamais parce que tout le monde là, bon malgré qu'il y ait deux trois membres qui pas là, mais et possibilité a tout existé, mais c'est son facteur de calendrier de tout le monde et puis qui circonstance qui t'a venu mener là parce que et qui s'en a expérimenté musicalement parce que nous chacun un petit peu dans différents mondes au niveau de musique de s'en a transmettre, mais il n'est pas impossible. D'accord, Dadi, nous allons prendre une petite pause, nous allons rejoindre le chef Ren en cuisine pour nous connaître qui j'ai mangé à dérouler. Bon, allez. Salut, c'est Jean Carré. Mna, ma chilling gina. Quoi bon chagrin de poule, chagrin de cabot. Bon, j'ai hâte. Parce que quand même, ma petite partie, moi, je vais aller regarder sur YouTube comment vous faites pas ça. Si vous souffrez. Kounia, nous pouvons retirer le bacon dans la graisse pour que l'on ait pile là-dedans. Nous avons mis le napkin pour le dégoûter, mais nous n'avons pas besoin de faire ça parce que nous pouvons servir avec la graisse du bacon pour nous continuer le plat. Si l'on a pile, nous pouvons retirer là-dedans. Tant que ça, il n'y a pas pile là-dedans, je vais quitter, je vais même retirer là-dedans encore. Puis, nous pouvons mettre le reste vêché bolio là-dedans. Il va grand pile là-dedans. Kounia, nous allons mettre là. C'est très senti bon, nous allons mettre là. Après ça, zoyon. Songez me dit nous pas besoin inquiéter nos points ingrédients parce que toute liste ingrédients yo en bas page YouTube nous. Le n'a pas gardé émission, n'a pas pris les ingrédients que nous avons besoin pour nous reproduire plat.
N'a sauté zanyon an. N'a suel. Nous pas besoin quitter le prend couleur non, n'a juste suel le li vin ou ti jan transparent. Nous ka ajouter l'autre vegetable d'yo. N'a un peu piment vert. Orange là. Et puis, on a mis rouge là. Il est vraiment, il y a une belle couleur là-dedans. Il semble une couleur Christmas parce qu'il y a un vert, il y a un rouge, il y a un blanc là-dedans. On a là, on a mis un petit. Il y a un créole supposé un petit hit là-dedans, un petit chaleur là-dedans. Ça, c'est un. Chili pepper comme découpé, je prends un peu là-dedans, je mets là-dedans, il n'est pas trop piqué. Pas c'est ça, mais je mets quand même. Kounia, nous allons mettre maïa là-dedans. Ça va ajouter lui. On va ça passer là-dedans. Il faut plus de maïs que de piment là-dedans. Donc, so, je vais mettre ça là-dedans. Et puis, bien mélanger. Je vais bien sauter maïs. On a mis un petit poivre là-dedans. À peu près une demi-cuillère, comme ça. Le nous fini, qu'on y a là, l'a sauté, on va le mettre crème dans là-dedans. Nous allons ajouter, si nous voulons, pour. Et place à l'impiléger, nous pouvons ajouter chicken stock là-dedans ou bien de l'eau si nous voulons. Je vais ajouter un petit de l'eau tout petit là-dedans parce qu'il a besoin de plus liquide. Et puis nous allons quitter les cuites. Quand il y a là, tous les ingrédients sont là, il y a mijoté, maïs a mijoté pour le café cuit. Pendant que Maya a mijoté, nous pourrons rejoindre Lady Jean encore pour présenter nous un petit invité noir. Amis téléspectateurs, nous avons rappelé nous que jeudi à Chilling with Regina. Gen chans pou l chita avec Daddy Beaubrun, Daniel Beaubrun, connu sous le nom de Daddy. Daddy, ou fait un pile collaboration, nou jwenn nou avec un pile artiste de nom très reconnu comme Mary J. Blige, Carlos Santana, Keke Belizer, Dadou Pasquet, pour me citer que ça seulement. Qui gens ont été capables by experience sa yo on grade de tout moun sa yo que ou joué avec yo. Wow. Ou bon chaque expérience pote énergie pa yo. Ou bon, il pote énergie pa yo et par exemple Keke Fabrice bon ça son c'est son le chapitre parce que nous tout naturellement bon connexion entre nous-mêmes donc à chaque fois nous jouer ensemble. Ça gon bagaille particulier là parce que nous juste gon réaction chimique là nous toi rencontrer qui pas expliquer on va ne pas expliquer parce que youn kon l'autre une kon ça l'autre affaire on va et que moi qui ca veut dire ensemble et que moi peu basket ca veut dire pas vous ce qui vote c'est au connaît que son bagaille magique là quand même et Carlos Santana quand même c'est ton bagaille extraordinaire parce que premier rencontre avec Carlos Santana, c'était
Africa Fête San Francisco, il était venu dans le spectacle, même DDSN, pas même quand même, c'est au moins qui venait 10 minutes avant de monter sur scène, je me suis dit, oh, je suis avec votre là, excusez que nous avons invité très spécial à soi. On m'a préparé un peu le spectacle, je me suis dit, Carlos Santana en soya, il vient même. Je me suis dit, wow. Ok, donc, Idolo grandit, très influencé par Carlos, c'était. Pour calculer que next année, ce spectacle là, vous allez jouer, on est là, donc c'était superbe. Et puis, effectivement, bon, nous monter comme d'habitude, nous fait ça que nous avons fait, bel spectacle, et puis après ça, vient des scènes là, et vient pour une bonne conversation. Ça qui était intéressant, c'est que pour une légende comme ça, Carlos Santana, M. Madem, qui guitare m'a joué, qui pique comme sous guitare, on a des conversations comme ça, et puis nous font long parler. Et puis, drôlement, un paquet de temps après, et à l'époque, ça m'a parlé de groupement, et puis, nous venons croiser encore à peu près presque une dizaine d'années après ça encore. Et je suis allé dans un spectacle qui était invité. Et puis, c'était une soirée spéciale, son fondraising que tu as fait. Il y a Maxwell qui était là et Carlos Santana était là. Et puis, bon, nous avons passé des DSN là. Et puis là, monsieur, il me dit, oh, il dit que moi, je joue musique là, est-ce que OK, c'est moi là? Il dit, oh, wow, il dit, pas de problème. Oh, ouais, et puis effectivement, tu as un big jam, monsieur, il dit, on a l'autre guitare là, et puis nous faisons un jam. C'est un bagage exceptionnel pour moi-même, parce que c'est. Là, imaginez-vous, grand, vous attendez Carlos Santana et puis pour un jour, pour partager ça avec un phénomène comme ça, c'est un bail extraordinaire. Daddy, vous reconnaissez que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, comme un musicien qui a un pile talent, mais tout comme auteur, compositeur, arrangeur et producteur. Quel genre de musique qui influence au plus? Bien influence à titre personnel et puis. Bien travaille pour l'autre artiste surtout. Mon artiste personnel comme si me grandit, m'attendais Zandab Dia Santana, Hendrix, Pink Floyd, me lever dans le monde de rock and roll. Et puis en même temps tout, m'attendais différentes qualités de musique parce que les parents étaient partis à l'envoyage, tu vas venir avec l'autre musique quel soit pays côté sortir. Nous toujours quelque chose à attendre. Mais gros influence ça c'était qui influence rock and roll dans le cas et puis à l'époque musique populaire américaine là pour les James Brown, Jackson, Earth, Wind, Fire, ça c'était très fort dans le cas là et puis quand même vient arriver dans l'heure on tourne qui vient faire dans Bob Marley qui met en pointe et bon cas isolé il est très rare un musicien qui pas touché par phénomène Bob Marley. Ça c'est à titre personnel, mais les maps travaillent avec mon artiste, sous quelque soit forme musique qu'il joue, qui vient nous avantage moi parce que mon background de tellement de variétés de musique et que me grandit à attendre donc et subconsciemment grand pile bagaille qui est avant mais approcher et production artiste toujours garder monde bagarder ça veut dire que c'est toujours qui gens pour plus invisible à travers œuvre là donc ma produit Intel en campagne de Steve Nash par exemple et qui était dans Tom donc c'est qui je dis que pour faire Steve pas son Tom mais qui pas écarté de Tom tout qui un genre plus large mais en même temps tout qui j'aime car transparent pour ses pas d'agado son album Daddy qui vient featuring Steve Nash dans une barre présent même si mon cas quand il dit Astaire dit qu'il a fait basse bien dit qu'il a fait guitare bien dit qu'il a fait ça mais il était monde donc c'est toujours ça qui est toujours pour ça me fait c'est que j'en pour artiste apparaître et dans plus haut niveau dans plus belle façon que qu'il apparaître parce que c'est charme et challenge qui est dans la production pour pas aussi présent dans l'œuvre là même si qu'il est en pointure là mais l'homme entendait où est c'est Intel que dire. Daddy, quand l'homme a tendé une interview que Dadou Pasquet t'a baillé, côté que lui t'a dit dans l'entrevue que lui t'a souhaité collaborer avant dans un projet album Racine. Par contre, yes. Au courant. Est-ce que, si au courant, est-ce que son bagage nous pensait que nous qu'a joué
on joue. Bon, comme vous posez la question, encore une fois, je ne vais pas trop fouiller vous un petit détail. Ça, je vais tirer le chapeau devant. Effectivement, et nous parler de projet à plein vie. Moi, à Dadou, nous, à Haïti, nous faisons plusieurs séances, nous avons monté à Dadou en roi, tout machin. Et nous avons commencé à travailler sur quelques musiques, nous avons été sur les potes 4 à 5, nous avons commencé à travailler. Bon, et la situation nous fait une partie, Dadou une partie tout l'autre jour, nous reconnectons encore. Nous reconnectons encore. Ouais, nous reconnectons encore à travers un projet 11 ans, nous. Et François, je crois que c'est bientôt, saxophoniste, François. Et puis, on a parlé de ça, on a dit, qu'est-ce que tu as telle musique? Tu connais telle musique? Pour qu'on dit mieux là, tout le monde dit bon, ok, qu'on est là, nous reconnecter, ou là, ou pas loin, au Florida, là, New York, que nous avons promis. Donc, bientôt, je pense que nous avons fixé le calendrier pour nous faire un projet, parce que son bagage, c'est rêve nous tous les deux, et je pense que le moment vraiment, vraiment est propice pour nous, pour le prendre vie. Le bagage est fait, songez chilling with Regina, t'es. Non, si vous avez fini à te mettre causé à dehors, ils ont tête de liste. Ça est un marque. Hop, connaît. Yes. Dati, il y a deux musiques que Naboukman, que tout le monde te sentou ou te derrière. C'était Tribulation. Avant dit te charger, bon, pourquoi même. Non, ça. C'était Tribulation avec Bay Bondye Gloire. Pour moi-même et pour un paquet l'autre et Méloman tout, deux musiques ça yo, c'était vraiment des musiques que de bout en de yo ou senti que li font effet sur. Est-ce qu'on fait un parallèle pour moi en Tribulation et Bay Bondye Gloire? Façon qui plus simple que m'ka expliquer c'est nous disant même ça souvent comme si m'pas vraiment considéré maître ou du moins des fois sans tout trois petits pour qu'à faire une série de travail. Donc on considère un peu de fois dans ces circonstances que c'est transmettre ou recevoir transmettre pour voir essayer un aspect que dans la musique moi-même qui est important parce que au fond de nos moments où sentir énergie et bah j'aime bien ça ou bah bon Dieu en particulier c'est ton bagage qui était bizarre musique là venir que son radio qu'a venir bon ça me dit là on va me descendre dans un match de basketball dans chambre même match pour là on va regarder un basketball dans chambre là et puis parce que voici on est fanatique dans les Lakers Boston Celtics et puis au certain moment match arrêté pas intéressé encore du tout et puis et on va regarder un radio qu'a venir tête moi mais habitude dans chambre là la cala 65 ans après moi tu pour gars guitare tu prêt tout à fait tu prêt moi et puis juste quitter ma chère m'a l'aime prendre guitare me gon on tasque un four track juste faire record pour le micro et puis juste jouer musique là j'en dis jouer et pendant ma jouer pour le venir tout chanter donc c'est après que mal retend des paroles et des paroles ça me chanter parce que pas l'oublier donc c'est genre de créativité ça yo ou pas qu'à expliquer juste venir de pour même quand musique ça yo. Et pas plus tard que hier, ma bonne mon cap dit qu'est-ce et fait mal ça fait même pas qu'à expliquer là tout le temps ça chaque fois entendre des musiques ça spécialement deux musiques ça là entendre yo on s'est capable de guitare solo dans Tribulation de c'est son grâce on vend c'est moi se voir me transmettre c'est comme ça mon cas expliquer. Est-ce que par contre si j'aime jouer une monde pose aux questions hein que gué des monde là où tu as capté des musiques ça yo tu pensais c'était des groupes évangéliques qui t'ai fait yo automatiquement que moun yo vin konnen que Méloman yo vin konnen que son groupe racine yo ferme un bouton hein parce que peut-être bon Dieu ça wap di ya bay bon Dieu gloire c'est pas même bon Dieu qui bon Dieu OK donc c'est bon Dieu pour là c'est pas bon Dieu pa yo est-ce qu'on joine ça pour venir mais c'est si c'est mon nom qui différencie bon Dieu, m'ba ka faire pour sou konnen gen plus konsel bon Dieu, ça m'ba rien ka faire pour. Moi c'est son choix que mon nom choisi à questionner qui bon Dieu si gen. Moi son seul là me connaît donc sou konnen deux m'ba konn l'autre là c'est son seul me connaît. Donc moi pense que gon facteur de stéréotype dans ba yo, une catégorie moun font qualité musique, catégorie quand si gen des moun qui étonné les ou même non l'autre ambiance musique, dit oh pourquoi c'est racine rapport vu ça tout du moins on vend donc que yo met ton nom
on boite et puis c'est là pour être salé. Mais comme un musicien, un producteur, un jeu, pas une frontière, musique c'est musique, pour ensemble tout là. Donc c'est bagarre de cliché salé, toujours essayer de sortir un homme des choses. Et je pense que c'était force pour tout parce que avant c'était juste musique traditionnelle, pas de grande orchestration. Donc pour devenir une formule pour faire musique ça acceptable pour Haïtiens en particulier qui ont des problèmes avec le tambour vaudouin. Et nous expérimenter ça et difficulté que tu gagnes, même nous pas savoir la première fois nous pas savoir dehors bambé ça moi là dans la station radio. Je veux musique en fois après ça mettre radio arrivé non. Nous tourner même tourner en comprenant que c'est bon, on est content. Il dit ah mon cher vraiment oh petit monsieur belle musique superbe extraordinaire. Et on seul tient inconvénient que tambour trop fort dans la musique là que si nous avons un petit baisse de tambour parce que vous parlez le français comme on dit vous connaissez vous ça vous payez pour station radio mais tambour wow. Fort donc vous parlez est-ce que nous voulons mixer musique on dit non pas pour mixer les vins pour un cassette on a fait non allez nous va mixer donc c'était genre de bagarre sur quoi pointer parce que mon attend que soit vrai ça bon Jean Poulier mais c'est avec tous tes challenges qui t'es là-dedans, c'est ton challenge et tout. Et puis, bon, gens que nous, que le t'es concevoir, qu'ils devaient transmettre de façon bien particulière, jusqu'à ce que les vins acceptables. En degré. Dati, qui est la plus belle expérience ou dans la carrière musicien? Qui est la belle expérience au niveau de spectacle, scène ou bien en général? En général. Qu'aime pas sauter, par exemple? Impact qu'un bas c'était fait, c'était qui était un challenge tout. Et moi réaction mon époque ça, il y en a pas qui démarquait dans qu'un bas c'était c'est que dans deux mois après musique là dehors, j'ai un grand monde qui était gain 96 ans crié dans téléphone là quand même. Et puis qui dit comme ça que c'est pour la première fois depuis l'LT jeune Timon, 16-17 ans, que la retourné sur Chant Mass pour regarder le canal à cause de la musique. Ça te touché en pile. Je ne sais pas si je suis venu à l'élément, je ne sais pas si je suis venu à l'élément, je suis venu pour me décader ça. C'est pour la première fois que je suis venu sur Chant Mass. Je me dis, 45 ans, je me dis, oh wow! Dès que j'ai rencontré lui, je me suis venu, mais malheureusement, ça va jamais être fait. Et ça t'a marqué, moi. Et puis, bien entendu, et comme musicien, le premier album que je produis c'était Vodou Ajaye. Et Gado, pas un petit grand chose que un album pour arranger, produit, on a un band et puis qui était nominé dans Grammy. C'est un petit gros Gado, réponse à challenge, tout obstacle, tout ça que vous rencontrez surtout comme musicien. Et c'est un moment extraordinaire que nous avons pris une nomination ça, mais c'est... Mais en termes de jouer sous scène, je pense que chaque moment peut être... Par exemple, la fort difficile de soirée, ça a été mieux que ça. Mais en gros, c'est deux stars qui comme exemple qui t'ont touché directement. Là, nous apprenons que nous nominer pour Grammy. Comment esprit de groupe là ou même en particulier qui travaille sur l'album ça autant dès que l'album n'est nominé pour un Grammy Awards comment nous recevoir les nouvelles ça c'est une fierté et à un différent niveau parce que l'album ça en lui-même c'est un challenge c'était challenge dans le sens nous faisons avec Island Records. Et une premier bail qui m'était avancé c'est que OK nous son album ça te soutient en Haïti avant il était nous là il dit bon ils leur pochette mais il était un album non comme album était là il dit pour sortir sur Vodou Ajaye et une bagarre dans phase négociation avec compagnie c'est que il dit OK et nous voulons gagner autorité production musicale donc c'est caractéristique musicale. Je vais chanter en anglais, je vais chanter en français, autre qu'en club. Et pour me garder mon petit genre de droit, je dis qu'il y a comme si dans la tête, où il vient de vous comme ça, et puis c'est une forme d'exigence ça. Et je vois une réponse d'Afchechea à l'époque, Jerry Rappaport, qui était vice-président et compagnon, qui était président de Mango Island.
je dis, ou pas même besoin de sortir parce que seul ça ou bien pour faire son affaire même m'a fait ça que ou même ou pas faire. Je dis, pas grand qu'un en pointe pour mettre dans musique ou seul bah dit sous besoin ingénieur sous besoin n'importe ça nous besoin au niveau technique nous là pour ça mais wow. Ça n'a fait parce que je dis, c'est pour la première fois que tant de musique m'a pas ça n'a dit et puis comme ça après ça il m'a fait cher de pour donc énergie ça m'a gagné pour moi et c'était ça que vous entendez et de là étant une étiquette donc c'est un album qui est haïtien dans toute intégralité dans le sens que pas rien en anglais là-dedans pas grand étranger qui veut sur l'album là mais tout c'était haïtien c'était fierté à ça c'est dit que nous pas obligé à l'entrer dans telle catégorie pour noter parce que tout l'autre africain ont fait plusieurs autres ont fait donc c'est un titan pour ça qu'on pas faire un album créole carrément et puis qui est tel côté et puis effectivement ouais nous était à faire arriver numéro 1 de dans Billboard. So daddy, on pas quelle fois mon a expliqué que ça fait musique haïtienne hein, pas aller loin c'est parce que yo pas faire yo pas chanter en anglais. Donc non, ouais, côté me parler avant. Donc vraiment côté voilà. On va avoir plusieurs exemples de artistes connus et Salif Keita Mali tout album Salif qui soit regarder statistiques de vente yo tout album que le chante dans la langue traditionnelle yo ou regarder chiffres yo ils font tentative font album complètement en français et ton fiasco de Angelique Kidjo tout album Angelique Kidjo dans traditionnel yo comparativement avant de venir dans phase comme ça chante en anglais yo ou te kawel et lui répéter à différentes fois là il dit que nous ka prendre exemple en exclu Bob Marley en garder toute l'autre artiste américain vous voulez dire que le monde entier qu'on sache pour rap dans la musique yo on bonjour Banton à l'époque on voit Yellow Man tout c'est ça au Shabaranks tout on a Shabaranks comment ça là africain ça qui gon musique que y a passé à travers et Jérusalem qui font musique voilà yeah. Voilà yeah. On a des acteurs africains ont prouvé ça encore je veux dire bon Jérusalem c'est mondial. Mondial et langue pas en barrière. Nous avons plusieurs autres facteurs qui ont handicap. Nous avons un facteur de production là-dedans, tout. Et parce que ça compte en pile et concept de production. Hein. Et puis, c'est pas vous de production de un groupe, non. Bon consistance, par exemple, pour la musique Jérusalem, par exemple, ou catégorie, ou on choisit 5, 6, 7, 8 différents. Artistes africains dans la ligne, ça y est, ou avoir une consistance sonore là-dedans. Travail de musique ensemble, non, au niveau de son, de mixage, de production, bon standard qu'il a. Mais si nous n'avons pas que ça veut dire que groupe A, album est super sonné, mais l'autre groupe C, lui-même, bon, vu les difficultés financières que vous avez, l'album n'est pas capable de produire aussi bien qu'un tel. Donc, parce que, en plus, ça qui arrive, c'est pas des cas isolés que vous regardez. Je vais vous dire, vous regardez un groupe, vous regardez un mouvement, quelle que soit la tendance, vous regardez la musique haïtienne dans toute intégralité, ou qu'on est très cher allongé sur le tri et ça, le tri et ça, mais collectivement, production par inconsistance, ça donne. Et puis l'autre facteur qui est un peu le monde ignoré, bon, c'est un sujet que je vais pas parler de lui, parce qu'on a un peu et point d'interrogation en ce qui concerne. Et caractéristiques et chemin et tout ça et que j'aime parler là mon pas qu'a un moins discret qui penche un seul bord on ensemble de là pas qu'a nous pas un district qui pas un database qui en côté m'a pas la voilà là pas qu'a aller online pèson grain bouton pour prendre combien album haïtien qui vend pour 2020 2021 pas vendre data ça pas qu'a vendre combien album qui sorti. Ou ensemble de là, m'a fait de trois coups de fil moins joint ni, mais elle pas accessible comme ça garde pour facilement que data ça disponible pour me dire OK. Gon audience ça cap vendre combien millions ou bien combien mille par an ça son marché qui là. Ou ensemble de là, donc bien aspect ça qui joue un rôle extrêmement important que un peu le monde pas regarder, mais les étrangers regarder, ils pas regarder petit détail petit ça c'est dans gros bagarre là. Kouni on a parlé là, m'ka combien exemplaires et combien streaming et Jérusalem a gagné facile on grand bouton pesé donc okay. Ça a vraiment différence dans concept ça là chilling with Regina a gagné et un talentueux chef
qui c'est chef Riz. Ah. Où qu'on fait manger, Daddy? Oh, petit. On va le voir un challenge avec Master là. On... bon, on... je vais t'accoter, ça veut dire que je ne vais mourir dans le monde. Et ce n'est pas de l'eau, ma bouille, non? Nous, non, bah, c'est normal, normal. Normal, bon, bon, bah, créole, normal. Ah, bon, mon nom. Bon, non. Non, qui sont plus forts? Qui sont plus forts? Ouais, faut que nous baillons quand même. On va non, on va pour ben, on va avec c'est ça son nous là, on va nous là, coller l'ampi. Mais vous connaissez moi mes goûter son n'importe quand carré les vite goûter lui, mais non, pas oh, pas problème non, et puis m'a pas sûr pour comme si d'arrêt de ça vous devez catifier le coup bon bah la mettre là, alhamdoulah, là dit quoi de A à Z tout le monde. Ah, c'est mal de vous faire non, les choses. Acheter le nom restaurant pour mettre le nom plateau fait que vous c'est vous faire. Et vous bon ouais, donc ça ah vous connaissez bon, je vais à côté. Ah bon, comme c'est venu mon bon petit blague sur ça, moi j'ai dit que m'invite maman vin la cala, maman vin, et puis m'fait manger parce que m'baye bien c'est, mais soit chicken, baye ça, baye bien c'est du coup, les baye ça. Et puis, maman, comme son blague, c'est tout, il vient de manger, et puis après ça, il vient là dans la cuisine, non? Et vous me la chercher. Dis moi, il soit cherché, il dit non, m'a gardé, comme son mange encore, m'a dit, m'a gardé contre j'étais. Des hommes du Seigneur, oh, ils disent, faut sûr, vous me ouais. Mais faut du coup, on voulait venir au Kai et paquet de soeur, Kamam, c'était Sadé, même, c'est ton super chef qu'il était. Donc, on est là, on a mis dans mon, il y a bon goûter, où est sa café là. Donc, son bail qui tourne actuellement, il y a voir l'acheter, tout ingrédient, voir l'acheter, il a fait tellement, et puis si il a fait devant, on goûter. Donc, je pense que le réflexe là, tout naturellement, bon, venir New York Bonnet à t'aider et tout, parce qu'on est là, qu'il a, depuis qu'il a 12-13 ans là, donc événement ça fait devant, ou ramasser, une deuxième nature, donc l'invenu vient en l'âge, comme ça, on a mal essayé de gâter de toi manger avant, c'est bon, ou être un bon sens de bah, donc dégagez ma Céline. Émission ça, bon. Nous gagnons culture, depuis nous gagnons invité, question ça, ou pas, je vous ai dit tout à l'heure, pas gagner route par bois. Ou pas Kaboazil. Gâte téléspectateurs nous yo, gâte fanatique Daddy, fanatique Bookman, cher avec nous, on pas gaye de ou qu'on pas dit moun souvent ou bien qu'on pas jamais dit du tout à quel autre côté. Wow. On pas vle dit le secret, mais sou vle ou ti secret? De Daddy. On pas gaye qu'on pas dit moun. Au niveau musique? Ou bien. Your choice. My choice. Ok. Bon ma bordé une là de c'est que m'aime chanter. Vous aimez chanter? Non. Bah aimez chanter. Ça c'est une là de et il prend en pile et non pas aimez chanter à sindou ma bonne histoire bien rapide. Et l'année qui est dans le studio pour nous chanter, pour nous recorder et tribulation, c'est Edith qui va chanter tribulation. Même si je suis dans le studio à bonheur, nous faisons des mots, référence, pas une besoin de guitare, de faire sur la guitare, nous chantons musique là pour nous faire accompagnement sur en attendant. L'année qui chante des mots, je me disais à Bobby Denis qui était au Jotech à l'époque, Bobby Denis, Bobby Rélé, moi, et ça va faire là. Je dis, monsieur, guitare va ça, il m'attendait dit. Je dis, vous attendez dit là. Je dis, j'avais chanté. Je dis, chanter dans qui musique là, vous chanter. Une musique ça, monsieur dit, pas avoir dans notre studio là. Tu sais pas quoi, c'est dit, oh, c'est ça, pas un monde qui a monté là. Mais je connais qui est, qui pas qui est, pas un monde qui a venu chanter sur ça là. Je dis, non, son référence, monsieur dit, non, monsieur, il est calé, tant tout le monde. Effectivement, il est tout le monde, il dit, non, ça, tout bon là, il veut tout chanter. Il dit, bon, c'est dans comme ça. On va. Mais et c'est des choses, c'est on va me faire dans les coulisses. Et puis ça, avec un peu de réticence, que je viens de chanter sur scène. Parce que je me prends plaisir dans la guitare, je vais accompagner, je vais regarder bien, je vais orchestrer la chose, c'est là, je vais ça, c'est une base. L'autre base que mon cabaronne, que peut-être, à qui prend la musique sacrée pour moi, et c'est une base que
son choix que il fait choix pas jouer une série de musique parce que c'est comme son rêve pour musique là un sacrement parce que on connaît qui bien qui ça énergie ça capote par le monde l'elle fait dans bon vibration donc c'est extrêmement spécial pour nous. Donc c'est de ça. D'accord, Daddy, malheureusement nous obligés nous river à terme interview. Ouais. Donc c'était un plaisir pour nous te recevoir dans Chilling with Regina. Nous espérons n'importe l'heure que ou pas boy ici en Floride, n'a pas chance pour nous rechita ensemble avec vous encore. Merci beaucoup, yes. C'était un plaisir et nous et encore une fois n'a pas nous pas oublier oui. Non pas oublier. Pas oublier c'est seulement que son grand plaisir pour me partager mon ça avec l'équipe là, saluer tout staff là dans Chilling with Regina. Dis chef là que depuis me descendre, c'est sans manque ma plat. Et encore une fois, merci et à bientôt. D'accord, Daddy. Nous prenons rejoindre chef Ré dans la cuisine pour nous, ouais, qui j'en mange un. Si manger un presque bon pour mal goûter. Bon bagage. Merci, Lady G. Nous allons retourner. Nous prenons fini. Là, nous croyons que Maïa est à mijoter là, le fini, il est presque fini. Nous prenons ajouter reste ingrédients yo, qui c'est fromage là. Donc comme dit non, fromage là c'est sous préférence non. Et puis fin ajouter le. On va quitter le fond petit bouillir encore. Donc on va l'ajouter persil. Et puis après ça, on va mélanger. Et puis en dernier lieu, le maïa fini net. Presque séché, nous allons ajouter bacon que nous avons fait avant. Il y a des gens qui doivent mélanger depuis avant avec tout l'autre piment. Yo. Moi, je ne veux pas le consommer, je veux le timber pour le cas, je nous dis en anglais, crispy. Nous allons ajouter le cognac. Et puis après ça, manger à censé fini. Quand okay. Nous fini, nous censé fini avec magia, nous pour le fermer fois parce que m'pas veut le trop sèche non plus. OK, on va quitter le tout petit comme ça là. Nous mettez sous l'eau. Et voilà, nous fini. Maïa paré. Si on mange qui simple, nous connaissons qu'en pile nan nous nous habituons avec maïa gratinée. Nous gen droit pourquoi j'aime manger ça, essayez Nadim. Nous gen droit faire upload photo yo, mettez en bas page YouTube, Facebook, Instagram nous. Songez abonner tout pour nous ka connait le gagner un nouvel épisode de Chilling with Regina. On y a un bras tant de DJ qui pral paraître sûrement là pour venir manger. N'a fait mes fois parce que manger ça c'est fini. On y a là un bras tant de DJ qui pral fait ça le qu'on fait plus bien qui c'est venir goûter. En attendant que les DJ paraître pour nous manger un plat pour venir goûter, nous pral pompose n'a pas tourné tout à l'heure. Moi toujours à chill with Regina, Regina. Merci téléspectateurs parce que nous t'avons été branchés pendant pause là. Kounia là, manger à Paris, macho à Paris, nous prenons le métal l'emplat. On connaît ses parties préférées les DJ.
pour me mettre la manger à poulet. L'assiette là. Songez me dit non le manger yo. Faut que la plat pas sale, faut bien nettoyer ce côté. Oh. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau là? Oh my lord. Où est-ce que tu là? Hein? Vous devez mettre une petite décoration sur les tout petits. Pas un peu, juste pour faire le bel, parce que les mettre vers là-dedans, déjà, on dirait que je ne peux pas avoir trop. Donc, on a mis un petit maillot tout petit en l'aile là. Pour manger là. Ok. Il est paré, nous fini. Voilà. Amis téléspectateurs, je suis sous le plateau là, Kounia. En dedans, cuisine chef Ré. Max Chou régime paré. Et moi-même, je suis prêt pour me goûter. Ça, c'est pour moi, pas vrai? Oui, ça, c'est pour nous. Nous, on fait plus plaisir à inviter les spectateurs. Pas grand qu'un artiste aujourd'hui pour y mettre dehors, pour goûter en vent. Ah bon, c'est vrai. Mm-hmm. M'apprécier ça. Artiste, là, pas goûter aujourd'hui. Ça, c'est bon. On garde pour nous. On goûte pour moi, chef, là. On connaît nos bons mode. Les chaud, oui. Non, attention. Vous sentez les mains pour que ça ne mette pas de l'enfant, pas de gratinelle. Non, moi-même, c'est pour que je me mange. Manger en belle, parce que je me dis nous ça. Moi, je me mange à yeux, tout. Ah, okay. Belle bagaille, chef, là. Okay. En tout cas, le chaud, je ne peux pas vous courir. Mettez-le dans la bouche, mais toi, nous comprenez? Comment vous allez? Mac chou. Je ne peux pas parler. Amis de les spectateurs. Kounia, on va le faire. Kounia, là, on va manger ma boucané encore. Once again, you did it. Good job. En tout cas, mon cours est mangé. Amis téléspectateurs, chef là, dit ça, il est Max Chou. Il y a un problème parce que je ne suis pas chou. Même Biro, on va mettre chou. Okay. Parce que c'est tellement bon. Il y a un bacon, on prend un goût bacon. Very good. La première fois, on va manger ça, chef là. Kounia, on va manger ma bouillon encore. Et puis, il n'y a pas de bougon. Songez bougon. En tout cas, chef, ne pas oublier de dire aux téléspectateurs, ça, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Je vais faire. Et facile. Promettre-nous que nous avons joué en bas de la page. Là, il facile. Tout de côté. Donc, nous-mêmes, tout, c'est pour dire que nous avons fait un challenge avec moi, chef. Là. Oui. Abonnez, songez, supportez le choix. Partagez-le. Cliquez sur. Petit cloche notification pour nous connaître leur nouvel épisode commencé. On va continuer à parler toujours, chef là. Partagez, abonnez. Partagez, abonnez, cliquez sur petit cloche notification pour chaque temps un nouvel épisode pour nous connaître qui le pour nous brancher Chilling with Regina. Nous sûr et certain que vous allez enjoy moi. Quatre manger Max Chou à vous. Chef Ré. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Tu as beaucoup de pâtes gâtées, ce qui empêche de manger.